Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve devant l'auditorium d'Alençon. C'est ici que va se jouer la pièce de spectacle Alolinda par le collectif Little Boy. Cette représentation s'inscrit dans le cadre du festival étudiant normand Les Foules à la Rampe. Je vous propose maintenant d'aller découvrir l'équipe artistique. Bonjour Eva, bonjour Alexandre. Est-ce que tu peux nous parler du collectif Little Boy, s'il te plaît ? Très bien. Alors, c'est un collectif qui s'est créé il y a 3 ans, à l'initiative d'Alexandre et de moi. On s'est rencontrés au conservatoire et on avait envie de continuer à faire du théâtre dans notre propre univers. Et en fait, au fil des rencontres, via le conservatoire, via la fac, ou même en dehors du théâtre, on a rencontré tout un panel de gens, étudiants, travailleurs, qui se sont rejoints en groupe en apportant leurs compétences. Et ensuite, au niveau de comment on travaille, bah, c'est vraiment un collectif, vraiment. C'est-à-dire que bon, Alexandre et moi, on a toujours le dernier mot entre guillemets, mais par contre on est toujours ouvert aux propositions, on se remet beaucoup en cause continuellement et on crée tous ensemble, même si Alexandre est metteur en scène et moi directrice d'acteur, c'est vraiment tout le monde participe au projet. Et donc du coup Alexandre, c'est le deuxième texte de copie que tu mets en scène, qu'est-ce qui t'attire dans l'univers de cet auteur ? Bien d'abord je trouve que chez copie il y a déjà ce langage qui est très particulier. Et cette manière d'aborder des problèmes de société qui sont encore contemporains. En fait, Copy a écrit ses textes dans les années 70-80, et ça reste toujours d'une actualité brûlante, en fait. Il parle d'immigration, il parle des problèmes liés à l'homophobie, au traitement des femmes dans la société aussi, et c'est des prérogatives qui restent quand même hyper actuelles, et c'est ça qui nous a plu. Et ce qui nous a plu également, c'est cette manière de parler des choses, c'est-à-dire qu'il a un langage très cru, un théâtre qui se rapproche un peu du Grand Guignol, de l'absurde, de l'extravagant, des show drag queens, pourquoi pas aussi, et du théâtre in your face. Et c'est ça qui est vraiment très satisfaisant chez Copy. Après, donc, comme tu as dit, c'est le deuxième texte de Copy qu'on met en scène. Le premier, c'était La visite inopportune, et là, Alolinda. Et là, Alolinda, en fait, c'est un regroupement de textes, de Copy. On fait une sorte de traversée dans son univers. On peut parler de puzzle, mais on pourrait plutôt dire que c'est une sorte de voyage dans son univers, dans le cosmos Copy. C'est vraiment cette idée-là de cosmos, de partir loin, très haut, dans un univers complètement barré. C'est ça qui est absolument jouissif aussi pour l'acteur de jouer. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les dates du coup de la tournée pour Alolinda, et est-ce que vous avez quelque chose, un message à dire aux étudiants qui viendraient vous voir pour votre théâtre ? Yes. Alors donc du coup les dates, ce sera ce soir à Alençon à l'auditorium à 19h. Demain on sera au lycée Jean-François Millet de Cherbourg à 20h. Et jeudi on sera à Vire à la Halle Michel Drucker. Et sinon après ce sera le 10 à Mont-Saint-Aignan et le 17 au Affre, à la maison de l'étudiant. Tiens, pour le message. Et puis pour les étudiants, eh bien, déjà venez découvrir Copy si vous ne le connaissez pas, venez le redécouvrir si vous le connaissez. C'est un spectacle où on s'amuse, où on réfléchit, où il y a beaucoup beaucoup de choses qui se passent, et puis nous, si on joue, c'est pour partager ce qu'on fait. On joue pas pour nous, on joue pour vous, donc venez nous découvrir. Merci.